Dieu n'a jamais dit que tout le monde doit avoir des méga church. No, God did not say that everybody should have a mega church. Il y a des gens qui peuvent avoir 10 personnes, mais qui font un travail plus efficace pour le royaume de Dieu que ceux qui ont 10 000 personnes dans une salle. There are people that can have 10 members in their church and do greater works for the kingdom of God than those that have 10,000 members. Chacun ne peut avoir que ce que Dieu lui a donné. You can only have what God has given to you. Mais ce jeune homme là, il a vu la popularité de ses amis nigériens et consorts. But that young man saw the popularity of his friends from Nigeria and other nations. Et il leur a dit non, non, vous devez m'aider. And he said, you have to help me. Et ils l'ont aidé. And they helped him. Un jour, ils l'ont pris pour le Nigeria. One day, they carry him to Nigeria. Et puis, on l'a amené quelque part, on lui a fait l'huile d'onction. Vous connaissez l'histoire de cette huile d'onction. They went with him somewhere, put anointing oil on him. You know the story of anointing oil. Quand il est venu en Afrique du Sud, il s'est frotté l'huile d'onction. When he went to South Africa, he put the oil on himself. Les gens tombaient partout. And people began to fall everywhere. Il faisait des miracles. He was doing miracles. L'église a commencé à grandir. The church began to grow. Jusqu'à ce qu'un jour, on l'a attrapé avec les femmes d'autrui ou quelque chose comme ça, on l'a mis en prison. One day, they caught him with somebody's wife and they put him in prison. Et il est parti se reconvertir en prison. And he went to reconvert himself in prison. Et il a fait toute une vidéo où il parle de ça. And he made a videotape and talking about that. Je ne veux pas dire ici que le Nigeria, l'église nigérienne est une église de fétichisme. I don't want to say that the Nigerian church is a church that has fetish. Il y a des gens qui font un travail extrêmement remarquable au Nigeria. There are authentic men of God in Nigeria doing a remarkable work for God. Il y a aussi beaucoup de faux. But there are also false men there. Donc, bien-aimé. So beloved. Yesterday. Il y a un pasteur que je connais. A pastor that I know. Anglican. From the Anglican Church. Il vient de se marier. He just got married. Avec son collègue kényan. With his friend man. Dans l'église. In the church. Le mal s'est installé au cœur même du trône de l'église. And it is very horrible even in the heart of the kingdom of God. Et aujourd'hui, à l'œil nu, nous pouvons voir ce que Pierre, Jean sont en train de dire. And today clearly we can see what Peter and John are saying. Jean dit que le monde entier est sous le contrôle du diable. John said the entire world is under the control of the devil. Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3. And Paul wrote to Timothy in 2 Timothy chapter 3. Il dit que sache que dans les derniers temps. He said know that in the last days. Il y aura des temps difficiles. There will be difficult times. Car les hommes seront égoïstes. Because people will be selfish. Amis de l'argent. They will be lovers of money, pride. Mais la grande question que j'aimerais que nous puissions nous poser ce matin, c'est celle-ci. The greatest question I want us to ask ourselves this morning is this. Pourquoi est-ce que tout ça arrive? Why are all of these things happening? Je pose cette question plusieurs fois à mes étudiants quand ils viennent au cours. I ask this question usually to my students when they go to the Bible school. Qu'est-ce qui arrive? That what is happening? Est-ce que le diable est-il devenu brusquement très puissant plus que Dieu? Has the devil become stronger than God? Pour détruire le monde? To destroy the world. Est-ce que les démons ont augmenté en nombre sur la terre? Have the number of demons increased on the earth? Qu'est-ce qui se passe? What is actually happening? Où est le problème? Where is the problem? J'ai entendu des réponses comme celle-ci. And I got responses like this. Les gens m'ont dit, ce sont les événements de la fin du temps. People said that these are events of the end time. Ça doit arriver comme ça et nous n'avons rien à faire. They are to happen like that and we have nothing to do about it. Moi, j'aimerais vous dire ce matin. And I want to tell you this morning. Que moi, je ne suis pas de ceux-là qui croient dans la fatalité. That I am not in line with those that believe in fatality. Sinon, je ne serais pas dans l'église. So, otherwise, I wouldn't be in the church. Moi, je suis un croyant. I am a believer. Je crois. I believe. Et parce que je crois. And because I believe. La situation, quand bien mauvaise elle peut être.
Even as bad as the situation is, it can be changed. Et le droit s'améliorer. It can be put in order. Parce que Dieu n'est pas venu établir sur la terre. Because God did not come to establish on the earth. Une église militante. A militant church. La Bible nous dit que Dieu a établi une église triomphante. The Bible says that God established a triumphant church. La Bible me dit que tous ceux qui sont nés de Dieu. The Bible says that all of those that are born of God doivent triompher de ce monde. Are to triumph the world. C'est une réalité. It is a reality. C'est la parole de Dieu. I'm not ashamed moi, to say. Moi, je ne crois pas dans le fatalisme. I don't believe in fatalism. Gloire au Seigneur. Glory to God. Je suis un croyant. I am a believer. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de fatalité. The kingdom of God is not a kingdom of fatality. Parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Because the Bible says that the just shall live by faith. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Jesus said, all things are possible to him who believes. Tout est possible à Dieu. All things are possible to God. Tout ce qui est impossible à l'homme, what is impossible to man, n'est pas impossible à Dieu. It's not impossible to God. Gloire à Jésus-Christ. Glory to God. Moi, je crois. I believe. Que peu importe la pourriture d'une société. That it doesn't matter how the society is bad. Si on place simplement, if we can put simply, une lumière de Dieu là-dedans, a light of God in it, les ténèbres est supposé s'enfuir. Darkness is to escape. Et dis à ton voisin, cette lumière là, c'est toi. Say to your neighbor, that light is you. You are that light. Moi, je crois que ce qui arrive, I believe that what is happening, arrive à cause du leadership. It's happening because of leadership. Il y a un homme qui s'appelle Charles Ake. There is a man called Charles Ake. Charles Frédéric Ake. Charles Frédéric Ake. 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 Yeah. C'est un prédicateur américain. He's an American preacher. Qui a vécu autour de 1920. That existed since 1920. Il fait cette déclaration. He did this declaration. Il dit la chose nécessaire. He said the only thing necessary. Pour que le mal triomphe dans une société. For evil to reign in a society. Silence des hommes justes. It is the silence of just men. Quand les justes se taisent, when the just keep quiet, le mal augmente. Evil will increase. Donc pour moi, la qualité du leadership, so for me, the quality of leadership, détermine la direction dans laquelle une société ou une institution va. Determines the direction in which the society is going. La qualité du leadership, the quality of leadership, détermine la sécurité de peuple, determines the security of the people, la prospérité de ce peuple, and the prosperity of that group of people. Tu es là où tu es, you are where you are, pas par hasard, not by mistake, et parce que quelqu'un vous a amené là-bas, it's because somebody brought you there. Si vous arrivez dans une ville, when you arrive in a town, vous voyez la saleté dans une ville, and you see dirt everywhere, ce n'est pas un problème de la saleté. It is not a problem of the dirt. C'est le problème de qui a la charge d'enlever la saleté dans la ville. It is the problem of the person that has the responsibility to remove the dirt in the town. Le leadership est très puissant. Leadership is powerful. C'est pour cela que Dieu est sérieux quand il s'agit du leadership. That is why God is very serious when it comes to leadership. Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus. J'ai entendu des concepts dans ce monde. I have heard concepts in the world. Valorise ce que je suis en train de dire. That value what I am talking about. Je ne sais pas si dans la classe de noirs que nous sommes, on en parle beaucoup. I don't know in the class of blacks that where we are, they talk about it. Mais il y a des milieux quand tu arrives. But there are places when you get there. On te dit rien ne peut changer dans la vie. They will tell you nothing can change in the town. Sans le leadership. Without leadership. Rien ne peut être transformé quelque part. Nothing can be transformed somewhere. Sans l'intervention du leadership. Without the intervention of leadership.
Rien ne peut être innové dans la société. Nothing can be innovated in the society. Rien ne peut être modifié. Nothing can be modified. Sans le leadership. Without leadership. La notion de leadership est très importante. So the notion of leadership is very important. C'est pour cela que Dieu est sérieux. That is why God is very serious. Quand il s'agit du leadership. When it has to do with leadership. Dieu n'a jamais commencé un projet. God has never started a project. Sans avoir trouvé un homme qui doit conduire ce projet. Without having a man to lead that project. Voilà combien important est le leadership aux yeux du Seigneur. That is how leadership is important in the eyes of God. C'est pour cela qu'il crie et il continue à crier. That is why he's shouting and he continues to shout. Qui enverrai-je? Who will I send? Chaque fois qu'il y a un problème dans la société, qui enverrai-je? Whenever there is a problem in the society, who will I send? Le leadership est tellement important. Leadership is very important. Et quelqu'un a dit ceci. To the extent that somebody said this. Une armée. That an army. De moutons. Of sheep. Conduit par un lion. Led by a lion. Vaincra toujours une armée de lions conduit par un mouton. We always dominate an army of lions headed by a sheep. Il n'y a jamais de mauvaise troupe. There is never a bad troop. Il y a de mauvais chefs. But there are bad leaders. Donc le leadership est très capital. So leadership is very capital. Un bon leader peut transformer une société. A good leader can transform a society. En un temps record. Within a short period of time. Souvenez-vous de la muraille de Jérusalem. Remember the wall of Jerusalem. Écroulée. That was falling. Tout le monde se plaignait. Everybody was complaining. Tout le monde se sentait victime. Everybody was seeing themselves victims. Il a suffi qu'il y ait un jeune homme. But there had to be a young man. Dans un pays étranger. In a foreign land. Un homme qui goûtait le vin du roi. The man that was drinking the wine of the king. Par l'information qu'il a reçue. From the information he received. Il a prié. He prayed. Et quand il s'est élevé. And when he woke up. La muraille était construite. The wall was reconstructed. Hallelujah. Hallelujah. Just une personne. Just one man. Souvenez-vous de David. Remember David. Sur les champs de bataille. On the battlefield. Avec une armée découragée. With a discouraged army. Un peuple qui était désintégré. And people that were discouraged already. Sa seule présence. But his only presence. A remis les chants dans les bouches des femmes. Put songs in the mouths of women. Le leadership est très important. Leadership is important. C'est pour cela que Moïse, avant de mourir. That's why Moses, before dying. Il demande au Seigneur. Asked the Lord. Il prie en lui disant. He prayed to him saying. Je veux que tu établisses. I want you to establish un leader sur ce peuple. A leader upon this people. Qu'il monte. That we go qu'il up sorte avec eux. With them and go out with them. Et qu'il rentre avec eux. And that we enter with them. Pourquoi? Why? Parce qu'il dit si tu ne le fais pas. Because if you do not do that. Ce peuple va errer. These people will go astray. Partout où vous voyez une institution qui n'avance pas. Wherever you see an institution that is not advancing. Qui est en train de tourner en rond. That is turning around. Le problème, the problem, c'est le leadership. Is leadership. C'est pour cela que être un leader de that's l'église. Why to be a leader of the church. N'a rien à faire avec la position que tu occupes. Has nothing to do with the position you occupy. Le leadership n'a rien à faire. Leadership has nothing to do. Il y a beaucoup de gens qui occupent des positions dans l'église. There are many people occupying positions in the church. Qu'ils ne devaient pas occuper. That they were not to occupy. En fait, par leur position, ils créent un double chômage. So by occupying that position, they are making people not to work in a double manner. Parce qu'il y a des gens qui devaient être là. Because somebody was to be there. Qui ne vont pas être là. That will not be there. Et eux-mêmes, leur place, il n'y a personne qui l'occupe. And their place that they left, nobody will be there too. Alors si c'est ton cas. So if it is your case. Pars seulement. Go. Et trouve la meilleure place pour toi. And look for the better place for you. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be praised. Quel est le problème avec le leadership? What? Avant que je ne parle de quel type de leadership. What is the problem with leadership today? We are talking about a type of leadership. Qu'est-ce qui est arrivé?
What has happened? Il y a beaucoup de maladies. There are many sicknesses. Je vais les citer rapidement, peut-être que ça peut aider quelqu'un. I'm going to state them quickly, maybe it's going to help somebody. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise préparation. Maybe there was a bad preparation. Quand les leaders ne sont pas préparés. When leaders are not prepared. Convenablement. Normally. Nous avons un problème comme ce que nous avons dans l'église actuellement. We have problems like what we are seeing in the church presently. Il y a des gens qui actuellement c'est devenu terrible. There are people that have become very terrible. Quelqu'un va dormir, il voit un petit songe et le lendemain il devient ministre des yeux tout plein. Somebody will just go to bed at night and have a dream and tomorrow they are a minister of God. Ils sont comme des Melchisedec, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, vous ne savez pas d'où ils sortent. They become like Melchisedec that did not have father or mother, we don't know where they are coming from. Une autre raison, c'est que les gens ont perdu leur premier amour qu'ils avaient pour Another le Seigneur. Another reason is that people have lost their first love that they had for God. Les situations de la vie. The situations of life. Les difficultés. The difficulties. Comme ce jeune homme dont je parlais. Like the young man I was talking about. On va trouver une solution ailleurs qu'en Dieu. They go somewhere else to find a solution. Un autre problème peut être l'insuffisance de la compétence ou de la connaissance. Another problem could be insufficiency of competence and knowledge. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 nous dit. 2 Timothy 2:15 tells us. Étudiez. That study. Pour vous présenter vous-même. To show yourself. Comme des hommes de Dieu approuvés par Dieu. Approved by God. Qui n'ont pas à rougir leurs yeux. A man that do not have to be made ashamed. Je vous ai dit hier que Dieu est responsable de notre appel. I said God is responsible for our calling. Mais chacun de nous est responsable de sa formation. But we are all responsible for our training. Maintenant, demande à ton voisin pourquoi toi tu ne veux pas te former. Ask your neighbor why is it that you don't want to be trained. Un autre problème peut être un manque de sérieux dans les choix des leaders. Another problem could be the lack of seriousness in choosing leaders. Oui, dans les églises aujourd'hui, il y a trop de tribalisme, trop de facteurs qui interviennent dans les églises. In the churches today, we have too much tribalism, other factors that are intervening. Quand on doit ordonner des gens, when we are to ordain people, au lieu de regarder à l'appel, instead of looking at the calling, on regarde à l'attachement sanguin. We look at their relationship with the person who is ordaining. Quelquefois, il y a l'hypocrisie de leader. Sometimes there is hypocrisy in our leadership. It causes the problem. That is causing the problem. J'aimerais vous dire ce matin. I want to tell you this morning. Que le leadership, c'est comme une table qui a trois pieds. That leadership is like a table that have three legs. Il y a un verset dans Psaume, je crois, Psaume. There is a verse in the book of Psalms. 78. Le verset 71. 78, 71. 72. To 72. On dit, il choisit David. They say he chose David. Il l'a pris derrière le brebis. He took him from behind the sheep. Qui allaitait. That were breastfeeding. Pour lui faire paître Jacob. To make him to lead Jacob. Son peuple. His people. Et Israël son héritage. And Israel his heritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Then David was leading them with a heart of integrity. Et il les conduisit avec des mains intelligentes. And he led them with wise hands. Il y a trois facteurs ici dedans. There are three factors in this text. Qui déterminent la puissance d'un leader. That determine the strength of a leader, the power of a leader. Premièrement, il y a l'appel de Dieu. Firstly, we have the call of God. Dieu l'a choisi. God chose him. Il ne s'est pas retrouvé lui-même. He did not choose himself. Il n'a pas manipulé pour être là. He was not manipulated to be there. Il n'a pas payé l'argent pour séduire les leaders qui est au-dessus. He did not pay money to seduce the leader so that they can make him a leader. Dieu l'a choisi. God chose him. Il l'a pris de là où il était. He took him from where he was. Pour l'établir comme son berger. To establish him as a shepherd. Ça c'était la part de Dieu. That was the part of God. La deuxième chose. And the second thing. Il a conduit ce peuple avec des mains intelligentes. He led his people with wise hands.
Il y a des gens qui sont appelés par Dieu. There are people that are called by God. Mais qui n'ont pas de compétences pour le ministère. But they do not have, they do not have the competence for leadership. Ça, ça peut causer un blocage pour ton ministère. It can cause a blockage for your ministry. Alléluia. Alléluia. David avait la compétence. David had the competence. Et quand vous suivez la vie de David, when you follow the life of David, c'est un homme qui a été brisé. He was a man that was broken. Il a rencontré Dieu seul. He met God alone. Il a vécu avec Dieu seul en secret. He spent time with God alone in secret. Il a été testé en brousse. He was tested in the bush. Il a traversé des épreuves. He went through trials. C'est un enfant qui semblait être rejeté même par sa propre famille. He was a child that would have even been driven by his own family. Imaginez-vous, vous avez 7 enfants. You imagine you have 7 children. Un leader vient, il dit, chez toi, il doit sortir un roi. And somebody comes to you and say, I want to raise a king from among your children. Tu sors tous tes enfants. You bring out all of your children. Et maintenant, c'est l'étranger qui commence à te poser des questions. And the stranger begins to ask you questions. N'as-tu pas d'autres enfants quelque part? Do you not have another child somewhere? Ça signifie que le papa de David, quand il les regardait, when the father of David was looking at him, il ne voyait pas le leadership dans cette personne-là. He was not seeing leadership in him. J'aimerais te dire aujourd'hui, I want to tell you today, que peu importe la manière dont les hommes te regardent, it doesn't matter how men look at you, peu importe ce qu'ils disent de it toi, it doesn't matter what men are saying about ce ne sont pas eux qui t'appellent. They are not the one who call you. Il y a un Dieu dans le ciel, there is a God in heaven, qui appelle chacun de nous, that calls every one of us. Tourne ton regard vers Jésus. Look towards Jesus. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Because he's the author and the finisher of your faith. Lui seul. He alone. Est spécialisé. Is specialized. D'aller dans la poussière. To go in the dust. Trouver ceux-là qui sont enterrés dans and la poussière. Find those that are buried in the dust. Il fait chercher ceux-là qui sont couverts dans le fumier. He is able to look for those that are hidden and cover il up. Il est capable de les sortir. He is able to bring them out. De les nettoyer un peu. And wash them a little bit. Et de placer un trône à côté des grands de la ville. The throne before great men. Et de les placer sur ce trône-là. And put them on the throne. Que cela soit ton cas may au nom de Jésus. May that be your case in the name of Jesus. J'ai dit que cela soit ton I cas said, au nom that de be your Jésus. Case in the name of Jesus. La promotion ne vient pas du nord. Promotion does not come from the north. Il ne vient pas de l'est. It does not come from the east. La promotion vient de l'Éternel des armées. It came and starts under the feet of the Lord. Tourne ton regard vers les montagnes. Turn your face towards the mountain. Parce que c'est de là que te viendra le secours. Because your help is from there. David avait la compétence. David had competence. Mais un des facteurs les plus importants. But one of the most important factors. C'est l'intégrité du cœur. It's the integrity of your heart. De ces trois facteurs. Among those three factors. L'appel. The call. Tu les reçois sans rien payer. You receive it without paying anything. La compétence. Competence. Tu peux les recevoir des hommes de Dieu comme ils sont ici. You can get it from the men of God as they are here teaching. Mais le caractère. But character. Il n'y a personne qui va te le donner. Nobody will give it to you. Tu dois le bâtir you toi-même. You have to build it by yourself. Le caractère d'un homme. The character of a man. Est comme la fondation d'une maison. It's like the foundation of a house. Plus la fondation est profonde, et the deeper the foundation goes, plus la maison peut aller haut. The higher the house can go. Vous savez pourquoi beaucoup de ceux-là qui se disent grands, do you know why many people that are calling themselves great, tombent facilement, fall easily? C'est parce qu'ils construisent la maison sans fondation. It's because they are building the house without foundation.